Ézéchiel 11 nous parle du fondement biblique, la sorcellerie. Ezekiel talk about the foundation of witchcraft. C'est le texte biblique qui parle de la sorcellerie. It is a biblical text that talk about witchcraft. Et dans ce texte, in this text, vous avez le prophète qui a été enlevé en esprit et transporté dans le temple. You have the prophet Ezekiel that was removed in spirit and brought in the temple. Dans le temple, entre dans le temple par la porte de l'Orient, la porte orientale, l'est. He entered the temple by the oriental door. Et à l'est, il voit 25 hommes. And at the east, you see 25 men autour d'une marmite. Around the pot. Et il regarde dans la marmite, il voit des morceaux de viande dans la marmite. And look at in the pot, you see the piece of meat in this pot. Et Dieu lui dit au verset 6, regarde, ce sont ces 25 hommes qui ont multiplié des meurtres dans la ville. And God told Ezekiel to watch this meat of peace. These are the men that broke death. Cela veut dire tout simplement que lorsque l'une de ces personnes ou l'un de ces 25 hommes prend un morceau de viande dans la marmite et qu'il ramène à la bouche, celui qui est identifié à ce morceau de viande meurt dans la ville. When this person just take a piece of meat and eat, the person identified in this meat does die in the city. Alors, pour votre information, la Bible nous dit que la sorcellerie se pratique dans une marmite. So for your information, the Bible talk about witchcraft practicing in the pot. Soit le pot, comme tu dis. Whether the pot. La marmite. What un canari. A little pot. Demandez-le aux sorciers, ils vous diront que c'est ça. As the wizard, they will tell you is that. Vous voyez, la Bible parle de tout et so the Bible talk about tout est voilé en fait. Il faut la révélation pour comprendre. Everything is hidden. We need revelation to understand. Mais l'élément fondamental dans cette révélation, c'est que la sorcellerie se pratique, c'est vrai, dans une marmite, mais elle se pratique à l'Orient. It's true that witchcraft is practicing in the port, but also in the East. Oui, parce que c'est la porte orientale. Because it's the gates of the East. Où ces personnes étaient situées. Where these persons were located. Et ce qui est très grave dans ce texte, what is very serious in this text, il parle de la sorcellerie pratiquée dans le temple. He's talking about witchcraft practicing in the temple. Dans la maison du Seigneur. In the house of the Lord. Et il indique, and he located ce texte, the text, que les fils de Dieu sont massacrés, that the son of God tué, killed par ceux qui pratiquent cette sorcellerie. By the one walking in the witchcraft. Il y a des phrases qu'on peut affirmer, il y a des choses qu'on peut dire qui sont vraies, qui sont justes, qui sont bibliques. There are sentences we can say that is true and biblical. Et qui restent totalement théoriques. And is remain in the theoretical part. Et pas du tout pratiques. And not practical. Pas du tout pratique. Not practical at all. Pas du tout pratique. Not practical. Vous voyez? Si. Donc la sorcellerie pratiquée dans le temple. So the witchcraft practiced in the temple. À l'est. At the east. Quelle est la mission de ces 25 hommes? What is the mission of these 25 men? Number one. Premièrement. Identifier tous les habitants de la ville à des morceaux de viande dans la marmite qui devient alors l'autel de la ville. Identify all the men of this city become a piece of meat in the plot called the altar. Identification donc. Identification. Number two. Numéro 2. Leur rôle, the function, c'est de faire en sorte que le soleil ne puisse pas se lever sur un seul membre de la ville enfermé dans la marmite. Is to make the sun not to raise on only one member of this family closed in the pot. Or si le soleil ne se lève pas, but if the sun cela veut dire que les enfants de Dieu vont vivre dans les ténèbres et dans le noir. It means that the children of God is going to live in the darkness. Je vous disais hier qu'il est tout à fait possible d'avoir Christ et de vivre sous un ciel fermé. I told you yesterday it's possible to have Christ and live in the darkness. Parce que Malachie 3 dit c'est seulement quand on apporte, on ne paye pas la dîme. Yes, sir. Quand on prélève et qu'on apporte la dîme à la maison du trésor, when we give the tithe, et des offrandes, la Bible dit c'est là que Dieu ouvre les écluses du ciel. It's when God opens the heaven on your head. Sur ses enfants. On his children. Ça veut dire que tu peux être enfant de Dieu et marcher sous un ciel totalement fermé. It means that you can be a child of God and walk under a heaven. Même si Jésus closed heaven. Even if Jesus is in you.